permanents pédagogiques, c'est vraiment le relais de l'OFH dans la société civile, dans les fédérations, dans les associations, dans des clubs sportifs. Donc vraiment, ils ont le rôle important de voir dans la base, d'expliquer le travail de l'OFH, de relayer les programmes prioritaires et puis aussi de faire remonter aussi ce qui dans la société civile est important à un moment donné, nous faire des retours sur les besoins des jeunes avec qui ils sont en contact régulièrement. Verein organisieren Sie das, was der Verein anbietet. Das ist ja gerade das, was diese Vielfalt an pädagogischen Mitarbeitern ausmacht, dass jeder was ganz Verschiedenes macht. Natürlich immer im deutsch-französischen Bezug, aber jeder seine eigene Art und jeder auch das Beste, worin er eben gut ist. Und deswegen kommen die eben dann auch zusammen, um gemeinsam sozusagen dieses deutsch-französische weiterleben zu lassen. Wir bewerben Programme im deutsch-französischen Jugendwerk und unterstützen dann unsere Träger, diese umzusetzen. Das heißt, das geht von der Information, was ist das überhaupt, deutsch-französische Zusammenarbeit? Warum soll man das machen? Welche Ziele werden verfolgt? Über wie finde ich einen Partner im anderen Land? Und wenn ich einen Partner habe, wie entwickle ich ein Programm? Wie gestalte ich ein interkulturelles Programm, sodass den Kindern und Jugendlichen das auch etwas bringt? Sie etwas von der Kultur des anderen Landes miterleben. Und das machen wir über Informationsveranstaltungen, über persönliche Beratung, aber auch über Fortbildungen, zum Beispiel im Bereich Sprachanimation, interkulturelles Lernen. C'est une personne qui a donc un certain nombre de compétences pédagogiques qu'il met à disposition pour soutenir les partenaires qui souhaitent développer des échanges internationaux de jeunes axés sur l'apprentissage interculturel, pour les aider dans la mise en œuvre, pour la préparation, dans le déroulement de ces projets, l'évaluation et surtout assurer la cohérence en termes de contenu de programme. Un moment qui est vraiment intéressant parce que bon déjà on se nourrit de cette diversité, on a l'occasion de ensemble en réseau de voir ce que chacun fait, quelles sont les actualités de chacun, de voir qu'est-ce qui peut nous inspirer dans notre travail. Et puis aussi c'est le moyen de revoir l'OFH. Là on a eu des informations sur qu'est-ce qui va se passer, quels sont les gros chantiers de l'OFH actuellement, et c'est quelque chose qui est très enrichissant. Et moi je sais qu'après les réunions, quand je rentre au bureau, c'est comme de l'énergie, on a vraiment envie davantage de développer plus de choses, on a plus d'idées parce qu'on a eu des propositions des chefs de bureau, les échanges avec, sur le temps informel ou sur le temps plus formel d'ailleurs avec les collègues, voir ce qui se fait, les gros chantiers dans les autres organisations, c'est un moyen de redonner de l'énergie, de redonner de l'impulsion en fait pour quand on rentre dans son réseau à soi. C'est une petite nourriture en fait pour le travail quotidien.